Parlez-nous de votre autre produit qui a été lancé il y a quelques mois, c'est Equilum. Donc en fait, vous aviez raison, c'est bien des courses à l'élevage, puisqu'en fait, on agit grâce au masque Equilum au tout début, avant même la gestation. C'est-à-dire que ce dispositif est un dispositif de mise sous lumière autonome des juments sous forme d'un masque. Donc les juments peuvent être mises sous lumière dès le 15 novembre et de façon autonome, et donc peuvent être laissées au pré pendant cette période-là. Ce qui permet d'avancer la saison de reproduction, d'avoir des chaleurs utiles plus tôt dans la saison, à partir du mois de février, et d'avoir de ce fait des poulains qui naissent plus tôt et qui, comme ici, vont avoir une conformation beaucoup plus avancée en étant nés tôt dans la saison. Où peut-on se produire ce produit ? Bah écoutez, chez nous, et il est distribué sur notre site internet, mais en direct chez nous, et nous déplaçons chez les éleveurs pour leur proposer ce produit. Et donc il a été lancé en décembre dernier, c'est bien ça ? En France, en novembre dernier, et ça fait déjà la troisième saison dans l'hémisphère sud, qui a des saisons inversées, où là, il y a eu plusieurs centaines de juments qui ont bénéficié de ce dispositif et qui toutes ont confirmé qu'elles étaient prêtes à être saillies dès le tout début des saisons, c'est-à-dire au mois de septembre dans l'hémisphère sud. Et toutes celles qui ont en France utilisé Equilum ont toutes été prêtes également à être saillies dans les mêmes conditions que la mise sous lumière en bâtiment. D'accord, très bien. Et justement, votre produit Equilum en France, comment il marche pour l'instant ? Il marche pas mal. L'année dernière, on avait commencé tard. Donc la plupart des éleveurs avaient déjà pris leur disposition. Mais cette année, il y a déjà de l'intérêt. Ceux qui l'ont utilisé l'année dernière vont recommencer. Et je pense que petit à petit, un plus grand nombre d'éleveurs va nous suivre sur ce produit qui est réellement un produit innovant. Merci beaucoup, Alain.